Bonjour, ici Martine Garripi pour solutionseft.ca. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont des 9 questions pour découvrir les programmations cachées que vous pourriez avoir en lien avec votre argent. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la troisième question. Alors, pour retirer le maximum de cet exercice, je vous conseille d'aller chercher un crayon et du papier. Quand vous êtes prêt, je vous invite à prendre une bonne respiration. Et à bien vous déposer dans le moment présent. Et là, je vais vous demander, est-ce qu'une situation financière dans votre passé que vous avez gérée, qui vous a laissé moins confiant, ou peut-être que vous avez moins confiance aux gens? Ça pourrait être une situation où vous avez fait faillite, ça peut être une situation où vous avez lancé votre entreprise et puis finalement ça n'a vraiment pas fonctionné comme vous pensiez ou comme vous auriez espéré. Ça peut être diverses situations financières de votre passé et quand vous y repensez, bien, vous êtes un petit peu plus frileux à prendre action. Et demandez-vous, comment est-ce que ça vous sert? Comment est-ce que ça affecte votre confiance en vous à ce jour? Parce que ça peut faire longtemps que c'est arrivé, mais ça joue encore en boucle dans votre système nerveux. Est-ce que c'est possible de remédier à ça? Absolument. Et c'est ce que nous allons voir dans l'atelier découverte que je propose à Bromont lundi le 16 septembre prochain. Et pour vous inscrire, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Et si vous n'êtes pas capable de vous déplacer à Bromont, inscrivez-vous plutôt à mon infolettre sur solutions.solutionseft.ca pour vous abonner, pour être au courant de la prochaine date que je vais offrir cet atelier en ligne parce que oui, ça va arriver. Et demain, je vais vous présenter la quatrième question. Alors, je vous dis à très bientôt. C'était Martine Gariepy pour solutionseft.ca.